L'État, la science, Simone Veil ou Platon au menu du bac philo. L'épreuve tant redoutée s'est déroulée ce matin pour les élèves de terminale des voies générales et technologiques. Florence Antomarc et Nina Sainte y ont recueilli quelques réactions au sortir de l'épreuve. Regardez. Elles en ont gribouillé des feuilles et au moment du débrief avec une demi-heure d'avance sur l'horaire final, c'est plutôt le bonheur. Avec Platon au menu et son art politique véritable, Cérine, 17 ans, a puisé les thèmes qu'elle dit maîtriser le mieux. La liberté et la justice, c'est quelque chose en soi du quotidien qu'on vit actuellement et qui va nous poursuivre jusqu'à la fin de nos jours. La justice avec l'égalité et notre morale aussi en même temps, qui correspond avec la liberté et notre libre arbitre aussi. Du coup, j'en ai aussi parlé dans mon bac. Autre choix, la nature est-elle hostile à l'homme? La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité? Et mieux encore, pour Vanina, l'État nous doit-il quelque chose? Mon raisonnement, il s'est basé sur oui, que l'État, il nous devait quelque chose. Et j'ai parlé surtout du devoir moral, donc l'obligation morale qu'a l'État de nous devoir quelque chose, mais aussi de la liberté. Parce que l'État, il doit nous garantir la liberté, mais aussi la liberté, elle doit venir de nous-mêmes. Ah, ce plaisir de réfléchir, c'est la particularité de cette épreuve. Et ce matin, sur le parvis du lycée, on a senti cet enthousiasme. Mais un enthousiasme calculé quand même. La philo pèse un coefficient de 4 ou de 8 sur un total de 100 pour un bac techno ou général. Ben oui, c'est quand même une épreuve importante, mais comparé aux spécialités, je préfère réviser mes spécialités que la philo par rapport aux coefficients. On les passe, demain et après-demain encore. On a 3 jours de suite d'épreuves et semaine prochaine, on a le grand oral. Ça fait beaucoup de charge de travail pour nous et j'espère qu'on fera de notre mieux. Il y a du pain sur la planche. Plus de 2200 lycéens poursuivent leurs épreuves la semaine prochaine et jusqu'au début juillet pour le grand oral.